Alors, Coexister, c'est un mouvement d'éducation populaire et de jeunesse, donc qui rassemble des jeunes de 15 à 35 ans, de convictions religieuses, philosophiques ou spirituelles différentes. Notre mission, c'est de créer du lien social entre des jeunes de convictions différentes. On est tous dans l'association des ambassadeurs de la coexistence active. Par exemple, en dialogue, on mène des actions des débats, des cafés-débats sur des thèmes qui concernent la religion ou pas, des visites de lieux de culte. Pour la solidarité, ce sera plutôt avec d'autres associations, des dons du sang avec l'ESF, des maraudes, des cours de français avec des réfugiés, plein de choses comme ça. Et la troisième étape, alors, c'est les sensibilisations, où on va agir dans les classes, c'est les collèges et les lycées. On est formé justement pour ça, par le national, pour intervenir dans les écoles. Notre mission finale, c'est de créer du lien social, et on agit par le biais du dialogue, de la solidarité et de la sensibilisation. On a produit en décembre une enquête, la deuxième enquête sur les préjugés des jeunes. On milite vraiment pour être formé et pour savoir répondre, déconstruire ces préjugés-là dans le cadre de nos ateliers de sensibilisation en milieu scolaire. Et donc cette enquête-là produit un travail d'enquête et de statistiques sur les préjugés des jeunes en comparaison à l'année dernière. Et chaque année, ça se reproduit au mois de décembre. Donc on milite vraiment au niveau des discriminations et des préjugés. Ensuite, je crois qu'il y a un vrai enjeu de cohésion sociale en ce moment en France. Et c'est pas nouveau. Nous, ça fait 10 ans qu'on travaille dessus. En 2009, c'était au moment de l'opération Plomb durci en Israël-Palestine qui se répercutait par des manifestations violentes à Paris. Aujourd'hui, il y a d'autres enjeux. Mais notre cheval de bataille, c'est vraiment de créer du lien social et de la cohésion sociale en France. Ouais, carrément. Alors à Metz, il n'y a pas encore de groupe, mais on attend que vous. C'est simple, hein, vous pouvez être deux, voire trois, pour être reconnu par l'association. À partir de deux, vous pouvez avoir accès à la page Facebook et donc pouvoir déjà communiquer avec futurs adhérents, futurs participants à vos événements. C'est très simple, hein, vous nous contactez via nos pages Facebook et le lien sera fait. Ou alors à contact@coexister.fr ou sur le standard, vous trouvez ça sur le site coexister.fr.